Le congrès de Valenciennes fut tout à fait extraordinaire, qui avait un intérêt mondial pour la famille. Et il nous a permis de voir que finalement, nous n'étions pas seuls ici en Belgique à proposer des cours d'éducation, parce qu'il y avait des initiatives dans tous les pays du monde, en Amérique du Sud, en Australie, beaucoup en Afrique également, en Europe, dans les différents pays. Et c'était vraiment passionnant de pouvoir partager avec des personnes venant de différents pays et voir les projets qu'ils avaient chez eux. L'orientation familiale, ce sont des cours que nous donnons à différents parents, des couples, pour les aider à éduquer leurs enfants. C'est vrai qu'on pense à chaque fois que l'éducation, il y a des choses qui sont naturelles, mais en fait, les parents qui ont des enfants doivent apprendre certaines choses pour l'éducation, comment transmettre certaines valeurs. Et voilà en quoi consistent les cours d'orientation familiale. Ce que doit faire l'Union européenne, c'est vraiment centrer sa politique sur la famille. Pourquoi ? Nous parlons aujourd'hui beaucoup des droits de l'homme, mais finalement, c'est au sein de la famille que naissent et se transmettent les droits de l'homme. C'est au sein de la famille que se transmettent les valeurs de génération en génération. C'est aussi au sein de la famille qu'on apprend à vivre ensemble en société. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'Union européenne mette beaucoup plus d'efforts pour mettre la famille au centre de sa politique. Alors je connais le site le Family Watch depuis un peu plus d'un mois. Après le congrès de Valence, je tenais à voir différents commentaires et puis des petites vidéos aussi sur ce congrès. Et un ami m'a conseillé d'aller voir ce site et bien sûr j'étais ravi de voir tout le contenu qu'il y avait sur la famille et sur la protection de la famille.